Je suis donc un candidat, libre, indépendant, à la disposition du peuple. Ça va ? Je peux être aussi un autre ? Je pense que c'est bon. Merci. Et ils disent pas bonjour au président de la République. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Alors, monsieur Lassalle, comment ça va ? Là, je suis avec les gens, tu sais, qui font un film, parce que je vais être le seul candidat qui va avoir un film qui va sortir dans les salles de cinéma. Il faut le faire, quand même. Ah. J'imagine. Alors que les autres ont des budgets de 30 millions d'euros. Allez ! Alors, moi, je voulais vous dire simplement, tant que j'y pense, c'est l'affiche. Je m'y retrouve pas tellement. Moi, je pensais que vous essayez de me solenniser un peu, quoi. Voilà. On s'est même pas tapé dans la main, on sait pas où on va. Est-ce qu'on est directeur de sa campagne, directeur de campagne d'un berger qui veut devenir président de la République sans moyens ? C'est notre chemin, c'était notre destin. Notre destin, notre fatum, quoi. Il est hors de question de continuer à accepter le délabrement. On a besoin d'un bon chef d'orchestre. Je vais essayer de le devenir. Juan Lassalle, presidente. Voilà, il faut surtout faire attention aux tâches. Oh putain, la cravate. De toute manière, il n'y a pas de place quand même pour des gens comme ça, dans ce cercle-là. Et les gens méchants, ils vont t'attaquer sur tes faiblesses. On te dit que t'as pas un staff de spécialistes avec toi, tu pars avec un handicap. Comme il a le naturel, le cœur qui déborde véritablement. Il a un côté réellement sympathique. Dans ton genre, il est en train de faire sa mue, non ? Mais je crois aussi, il est beaucoup plus intéressant qu'avant. Française, français. Quelle que soit celle ou celui que vous alliez en dehors de moi, de toute façon, il vous en tuera.